Merci encore pour votre visite. Aujourd'hui, je voudrais parler aux internautes de l'infertilité. Surtout l'infertilité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui cherchent alors que Dieu ne nous a pas créés stériles. Dieu n'a créé personne stérile. Les gens vont dire peut-être que c'est faux, mais c'est rare les hommes qui sont nés stériles. Si ce n'est pas affaire d'envoûtement, si ce n'est pas la sorcellerie, pour les Européens, peut-être qu'ils n'ont pas une idée de ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est au fait le fait que les gens utilisent la magie ou les connaissances traditionnelles, mais pour faire les choses négatives. Parce que tout ce que nous faisons, herboriste ou bien guérisseur traditionnel, on peut l'utiliser pour faire du bien, on peut l'utiliser pour faire du mal, comme les fusils qu'on peut utiliser pour faire du bien ou faire du mal. Et les gens qui sont stériles, qui ne peuvent pas faire enfant ou à qui les médecins ont déjà déclaré que pour eux c'est fini, appelez-nous. Avec des feuilles, on peut réussir. C'est pour ça que je vais vous donner un remède gratuit. Notre citron simple, le citron qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas rouge. Vous prenez, vous avez un, que ce soit dans votre sac ou bien dans votre voiture ou quelque part sur votre moto. Vous n'allez jamais faire accident. On ne fait pas accident quand on a citron sur soi. Attention, si c'est dans votre sac et que vous partez, vous voyez grand camion arrive ou bien dans descendre, vous freinez brusquement devant le camion pour dire que vous voulez tester. Même dans la Bible, Jésus a dit, il ne faut pas tenter. Le Seigneur n'aime pas qu'on le tente. Donc, il ne faut pas tenter, il ne faut pas dire, je vais vérifier si ça fonctionne. L'autre chose, il faut croire. Il faut croire à ce que vous faites et puis l'effet placebo. Car votre croyance, comme on l'a dit aussi dans la Bible, ta foi t'a sauvé. Lorsque vous croyez à ce que nous faisons, ça va se multiplier, le résultat sera plus rapide pour vous. Au lieu de suivre entre griffes la culture occidentale qu'on nous a importée, je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais quand vous allez à l'église aussi, il faut trouver, il faut utiliser les feuilles comme c'est utilisé dans les psaumes, comme le roi Salomon l'a utilisé dans la Bible aussi. Utilisez les feuilles, utilisez les feuilles. Il n'est pas interdit d'utiliser les feuilles. Ceux qui disent qu'ils vont à l'église, ils ne veulent pas s'approcher des guérisseurs traditionnels, entre griffes, moi je crois que, en tout cas, c'est leur choix, je ne veux pas juger quelqu'un ici. J'invite seulement ceux qui en ont besoin. Si vous cherchez vraiment un enfant, venez. Si vous êtes femme aussi et vous avez des problèmes d'infection. À propos d'infection, l'infection, il y a chez l'homme, il y a chez la femme. Lorsque vous êtes homme et que vous n'êtes pas avec une seule femme, et souvent vous oubliez de vous protéger, préservatif ou autre méthode conservative, alors venez. Il y a des bagues contraceptives. Il y a des bagues qui protègent contre les infections aussi. Mais il y a aussi des tisanes, des feuilles, des poudres ou des comprimés. Les différentes formes des sirops, il y en a pour les infections, les plaies internes, la fatigue générale, pour fortifier les nerfs aussi. De la même façon, chez la femme, quand vous avez les pertes blanches ou vous avez des douleurs, vous avez quelque chose qui vous gratte, candidose, ce qu'on appelle en hébreu manien, si ça vous dérange, s'il y a des plaies internes, des plaies dans la bouche ou au niveau du sexe, ainsi de suite, ne laissez pas durer. Parce que lorsque ça dure, ça fait pendant longtemps sans traiter ou bien sans un traitement efficace, ça cause d'autres maladies. Un exemple très simple, l'hémorroïde. L'hémorroïde non traitée chez l'homme, ça cause la faiblesse sexuelle et aussi l'éjaculation précoce. Il y a plein de choses que l'hémorroïde cause et les gens ne savent pas. Par exemple, lorsque vos yeux vous grattent, vous ne voyez pas très bien ou quand les trucs sont à distance, vous ne voyez pas. Tout ça là, c'est des signes, ça peut être le signe d'hémorroïde, comme ça peut être signe d'autres infections. Autre information que je vais vous donner, quand les gens ont la fièvre, lorsqu'ils ont le corps chaud, ils ne vont pas prendre paracétamol ou bien quelque chose pour calmer la fièvre, souvent ce n'est pas conseillé. Sauf que la fièvre, effectivement, ça cause l'anémie. Il faut calmer la fièvre, je ne refuse pas. Mais le premier geste ne devrait pas être calmer la fièvre, ça devrait être chercher qu'est-ce qui cause la fièvre. Parce que la fièvre, c'est le signe de l'organisme pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être une nouvelle infection, peut-être telle chose que vous avez mangé hier, ainsi de suite, ainsi de suite. Premier signe, ce que vous devez faire,
faut consulter un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît la guérison traditionnelle. Je ne dis pas de me consulter tout de suite ou d'aller forcément chez tel médecin, mais quand vous avez la fièvre, premier signe, premier geste à faire, consulter un spécialiste, quelqu'un qui connaît le domaine de la santé. Si la fièvre persiste, vous prenez les médicaments, ça ne va pas, ou bien vous prenez les produits chez nous aussi, ça ne va pas. Deuxième chose à faire, faites une consultation spirituelle. Est-ce que c'est fièvre normale? Est-ce que c'est spirituel? C'est un envoûtement? C'est début de ci? C'est début de ça? Il y a deux formes de consultation. Il y a consultation simple où le médecin va vous écouter ou bien le spécialiste de santé va vous écouter et vous prescrit des médicaments. Il y a la consultation spirituelle où spirituellement, nous, on va voir. Ça, c'est uniquement chez les guérisseurs traditionnels comme moi ou comme mon vieux. Il y a le vieux qui est à la maison qui prend aussi ce genre de cas en charge. Lorsque vous êtes dérangé par les membres de vos familles, la sorcellerie, l'envoûtement. Vous avez eu un poste, une promotion, et puis dans la famille, on vous a dit non, que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes trop petit pour obtenir tel poste. Vous avez acheté un nouveau véhicule, voiture, je veux dire, pas seulement véhicule, vélo ou moto. Vous avez acheté une nouvelle voiture, appelez les gens, manger, boire, et puis quand eux, ils se lèvent, leur souci, c'est. Quand est-ce que lui est né maintenant pour déjà conduire voiture alors que moi je suis encore là? Alors, ne vous inquiétez pas avec mon vieux. Le vieux, il est là à Lomé. Il peut vous traiter à distance si vous ne pouvez pas venir. Quand vous venez le voir, quelle que soit la protection dont vous avez besoin, quel que soit le pouvoir dont vous voulez, le pouvoir dont vous voulez utiliser pour faire des choses, le pouvoir que vous avez besoin, ainsi de suite, venez le voir. La sorcellerie, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de sorcellerie. Il y a aussi des formes de pouvoir pour se protéger contre la sorcellerie. Alors, j'invite tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, tous ceux qui sont chefs de famille, tous ceux qui ont une petite famille, ceux qui veulent, qui font souci de leur famille, de leurs frères et sœurs, il faut nous appeler. Je répète encore, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, ceux qui ont problème d'amour, problème de conjoint, problème d'âme sœur, c'est-à-dire, si vous n'avez pas la chance de convaincre une fille, tous ceux à qui vous parlez, elle vous fait comme si vous n'existez pas, vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre. Non, l'amour, le romantisme, ça ne dépend pas de la richesse, c'est dans le sang. Si vous vivez des choses comme ça et que personne, aucune fille, ne vous écoute, n'attend même pas pour écouter votre avance, appelez-nous. C'est pareil chez les femmes aussi. Vous êtes très belle, vous avez la terre, vous avez votre dos très rond et malgré ça, soit les gens vous courtisent, ils restent ensemble avec vous, une fois, deux fois, ils s'enfuient. Ou bien, entre guillemets, dès que eux, ils payent, vous connaissez, après, ils partent, ils ne restent plus. Tout ça là, c'est pas trop bien. Appeler, c'est pas naturel. Si tu es une fille et en un an, tu as déjà sorti avec trois ou quatre hommes différents parce que les hommes te laissent. Non, pour toi, ton heure a sonné. Aujourd'hui, quand tu as la chance de tomber sur cette vidéo, dis mon heure a sonné. Il faut nous appeler. Problème d'âme sœur, ça va se régler très, très, très bientôt avec le vieux. Avec une petite consultation, il y a des feuilles, des herbes, il y a des choses que vous pouvez utiliser pour régler. Vous êtes en couple, vous avez déjà la chance d'avoir un homme ou une femme sous votre toit. Mais chaque soir, avant de rentrer à la maison, c'est toujours ceci. Et mon homme là, il est encore là avec sa jalousie. Non, ma femme là, elle est encore là avec cette dispute. Non, l'homme, la paix, le foyer, les deux vont de pair. Il n'y a pas de foyer dans lequel il est dit qu'il faut toujours se quereller. Non, on dit qu'être en couple, c'est subi. Non, c'est faux. Tout ça là, c'est l'œuvre du Satan, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre des envoûtements, de la sorcellerie. Et j'appelle tous ceux qui sont en couple, qui ont ces problèmes de famille, de nous appeler. Je rappelle aussi ceux dont les conjoints les ont abandonnés. Que ce soit l'homme qui a abandonné la femme ou la femme qui a abandonné l'homme, alors qu'ils ont des enfants. Il faut nous appeler, vous aurez gain de cause. À partir des autres semaines, nous allons vous donner un remède par vidéo. Abonnez-vous à la chaîne
et likez aussi pour ne pas rater nos vidéos. Il y a des